Eh bien bonjour à tous, j'espère que tous très très bien, c'était les Câbles Best. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 30, mais en réalité c'est plus un bonus qu'autre chose, pour Emerald Merizon 2.0, le fameux jeu que j'avais jamais terminé il y a 4 ans et que je viens de finir la dernière fois du coup avec la Ligue Pokémon. Alors aujourd'hui on va faire le combat contre Pierre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve à Otekia. À Otekia. Et du coup, j'ai XP ma team de manière totalement legit, hein, vous allez voir. Hein. Bien sûr, j'ai mis tout le monde niveau 80, hormis Drata et Kamerup, parce que j'ai mis niveau 81. Donc c'est totalement legit. Et j'ai pris Barbicha, ce qui fait qu'on va faire le combat à 5 contre 6 finalement, puisque Barbicha ne sert à rien, parce qu'il a cascade et on a besoin de cascade pour aller au bout du site Météor, tout simplement. Vous pouvez rejoindre Pierre Rochard qui nous attend. Il faut savoir que je me suis spoil le niveau de sa team, le niveau de ses Pokémon à peu près, puisque pour m'XP, bien sûr, j'ai pour m'XP un niveau où ce soit pas trop facile, mais pas trop compliqué non plus, bien sûr. Par exemple, en me laissant niveau 66, ça aurait été mort. Voilà, je vous le dis. J'aurais au Toulouse. À ce niveau-là, il y a moyen que je m'en sorte. J'ai mis Nidoqueen au PC. J'ai choisi Nidoqueen, de sacrifier Nidoqueen parce que les attaques de type glace contre des types acier, c'est pas le mieux au monde. Voilà. Allez, par contre, on va utiliser un repousse, bien sûr, parce que j'ai pas spécialement envie de me faire agresser. Donc, du coup, je vais vous montrer le chemin pour arriver jusqu'à Pierre, parce que c'est pas forcément un truc qui est hyper connu dans Emerald. Et du coup, je fais le chemin avec vous quand même. Parce que bon, voilà, je suis quand même. Je suis un mec bien, voilà. Ah bon, je suis un mec. On peut le dire, hein. Bon, après, je suis très modeste, hein. Donc, bien sûr, ne dites pas dans les commentaires que je suis quelqu'un de bien, etc. Je me sentirais un peu gêné, quoi. Mais faut quand même le dire. Je suis quand même un mec. Voilà. Bon, bref, allez. Du coup, faut monter la chute d'eau, là. Et là, vous voyez, attendez. Là, vous voyez, du coup, la petite ouverture qui est à gauche. Il n'y a pas ça avant d'avoir battu la Ligue Pokémon, hein. Il n'y a pas ça. Avant d'avoir été maître de la Ligue. Et du coup, pour rejoindre cet endroit, bah, en fait, c'est très simple. Il faut juste aller là. Prendre cet escalier et hop, voici juste là. Et vous pouvez, du coup, rejoindre le entre guillemets, la salle recul du site Météor. Et vous voyez Pierre. Alors, petite anecdote. Assez drôle à ce sujet. On va mettre Capilou en first. Petite anecdote drôle à ce sujet, dans Emerald Merizon que j'avais, il n'y était pas. Enfin, il n'y était pas. Il y était, mais en caché. Donc du coup, en fait, là, on ne voyait pas, et lorsqu'on lui parlait, enfin, lorsqu'on cliquait ici pour lui parler, ça s'enclenchait, on pouvait lancer le combat. Donc, du coup, j'ai demandé à Master de faire une petite modif rapide, ce qu'il a eu la gentillesse, bien sûr, de faire, donc merci à toi. Dans les faits, ça ne change rien, c'est juste que là, vous le voyez, mais dans les faits, ça n'aurait rien changé de toute façon. Du coup, mes camérupts et j'ai sauvegardé, mais on va re-sauvegarder une deuxième fois parce que, comme on dit, un tien vaut mieux que deux tueras. Ouais, voilà. Bref. Du coup, allez, c'est parti. Oh, waouh, Lucas, je suis surpris que tu aies su me trouver. Est-ce que tu me considères juste comme un maniaque du tir proche? Non, je ne pense pas. Nous sommes battus côte à côte au centre spatial d'Algacia. Je veux savoir mieux que quiconque de quelle façon je me bats. Ok, Lucas, si tu cherches un vrai défi, je suis ton homme. Ok, donc du coup, nous voici face à Pierre qui a 6 Pokémon. Nous, on en a que 5, hein, parce que bon, Barbicha, bien sûr, vous vous doutez bien qu'il ne va pas compter. Hein. Avec un armure, voilà, ça n'a pas changé. En revanche, les levels, un peu plus. Hein. Il est censé être entre level 75 et 78. Au niveau du... au niveau des levels, ça a un peu changé, quand même. Hein. Ok, il fait toxique, bon. Alors, il y a un Pokémon, vraiment, hein, je pense que vous savez qui c'est, qui nécessite une énorme vigilance. Qui va peut-être d'ailleurs nous faire reset, hein. C'est pas impossible du tout. Je pense que vous connaissez ce Pokémon, hein, si vous connaissez Pierre. Si vous connaissez le jeu et que vous connaissez Pierre, parce que si vous avez suivi le let's play et que vous connaissez les Pokémon de Pierre, vous savez de quel Pokémon je veux bien entendu parler. Et ben le voilà. Le voilà, le petit Armaldo, le voilà. On va taper une hypnose sur lui. Oh, la vive griffe qui s'est activée et... C'est bon ça. On va tout de suite hard Metalos.
parce que c'est le seul qui peut être à même de gérer ce coquinou d'Armaldo. Alors ça serait bien de ne pas se réveiller tout de suite, par exemple que je puisse taper un petit point météore, ce serait cool. Que je puisse taper un petit point météore en toute tranquillité, voilà. Que je ne mise pas bien sûr, hein. Et parlons pas de choses qui fâchent bien sûr. Avec un petit point météore qui part. Là ça va faire très mal puisqu'il n'a pas, il n'a aucun boost. Ça va faire très mal. Ça fait quasiment le HKO quand même. Hein. Oh là là, la drop d'attaque qui va bien m'aider, je l'avoue. La drop d'attaque qui va bien m'aider, je pense. Il a les restes, hein, c'est ça. Il a les restes, très bien. Ok, donc du coup la guérison qui part. Alors par contre, il va falloir faire attention à un autre Pokémon qu'il a et qui a également la fameuse attaque pouvoir ainsi qu'un. Donc il faut faire attention. Voilà. Faut faire attention quand même, c'est... Faut rester vigilant, hein. C'est pas parce que l'Armaldo est au tapis que le combat est win, hein. Loin de là. Loin de là, messieurs, dames. Ok, les rayons du soleil sont forts. Le Kaorin, il va se prendre son petit ballon ombre. Et à mon avis, il va pas kiffer. Étant donné que je suis boosté, il va pas kiffer du tout, hein, je vous le dis. Ou il va résister, bien sûr, parce qu'il est Kaorin, hein, c'est Kaorin, quoi. Il a un bulk tout à fait bon. Ok, il fait protection, ça par contre c'est chiant. Ça par contre c'est très très chiant ça. Ça par contre c'est chiant. C'est chiant mais bon. Après si je peux stall les tours avec le fait qu'ils utilisent des guérisons, etc. En vrai je me plains pas. J'ai failli apprendre casse-brique à Metalos en ce combat. Et finalement je me suis dit que ça sert à rien. Je crois que nous n'avons pas la même définition du mot servir à rien finalement. Mais voilà. J'avais oublié qu'il avait protection. Ok, donc du coup. Là il va taper un puissant séisme, je suppose. Mur lumière, ok. Soit. Donc là je pense que la ballon va tuer. Et ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à pépestall les tours de. Les tours de ballon, bravo. Les tours de ballon, les tours de protection, excusez-moi. Je commence pas à dire n'importe quoi, là. Et je tourne le soir, en plus. Hein. Parce qu'il faut que je prenne de l'avance sur mes vidéos. Pour les vacances. Petit séisme qui fait mal, je pense. Qui va faire très mal. Ah, ça fait mal, hein. Je pense que je vais me soigner, hein. Il se soigne, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas non plus. J'aurais peut-être utilisé une hyper-potion, par contre j'étais un peu con là. Bon, Kaorin est au tapis. Le problème c'est qu'il reste le dernier Pokémon qui m'inquiète beaucoup quand même. Hein. Non, c'est pas toi qui m'inquiète. Toi tu ne m'inquiètes pas spécialement, mais en revanche... On va envoyer Hydra-Attaque. Parce que je pense que... Je pense que là il va taper Séisme en fait. Ouais. La protection c'était arrêté, j'ai pas eu le tour pourtant. Bon, Séisme x4, est-ce que tu tiens? En vrai, je pense pas que tu tiennes, hein. Ah, si tu tiens. Ah, si. Dracogriffe, ok. C'est une attaque spéciale, hein, donc Dratak va tenir, je pense. Il tient, oui, il tient. Il tient, ouais. Il tient. Ok, la guérison qui s'en va. On va pas accélérer quand même, hein. Voilà. Coup critique. Le problème c'est que tant qu'il reste le Pokémon qui m'inquiète, je ne suis pas rassuré pour Doron. Oh putain. C'est toi. C'est toi qui m'inquiète. C'est toi qui m'inquiète. C'est toi qui m'inquiète. Je vais utiliser mon tour sur Metalos.
Eh oui, mais voilà, ça c'est chaud ça. Bon, coup critique s'il te plaît. La vache. Bon, je pense, entre guillemets, je pense, sans vouloir trop m'avancer à ce sujet, que c'est un peu la défaite, ça. Ok, on va avec la troc. On fout. En fait, c'est vraiment énervant, en fait. C'est même pas de la strat, en fait. C'est de la débilité. C'est genre de la débilité. Bon allez, là tu, bon, allez, là, tu dois dormir encore 2 tours. En vrai, tu peux même te réveiller maintenant. Dans le sens où tu vas pas tenir en fait. Là je sais que tu tiens pas. Ouais. Bon. Corinne. Je pense qu'on va sacrifier Barbichat. Ouais. Voilà. Et on va envoyer. Hey, en vrai. En vrai, Piflore, est-ce qu'il attaque avant? Voilà. Voilà. En plus, ce qui est cool, c'est qu'en Piflore sur Vasilis, parce que je rappelle que Poudre Dodo. En dehors, hein, jusqu'en 5ème génération, les types plantes. Donc du coup, en fait, en vrai, ça peut bien se passer. Ok, le Zénith... d'ailleurs, le Zénith qui est... Ah, mais attendez. Oui, il a Chlorophylle, on est d'accord. Oh là là. Du coup, c'est-à-dire qu'il est plus rapide que tout le monde, en fait. J'avais pas pensé à cette éventualité-là. J'avais même pas pensé à cette éventualité-là. Comme quoi. Comme quoi, c'est pas dégueu. Bon, allez, tu meurs, c'est bon. Voilà, si t'es pas con, t'envoies Métallos. Ouais. Je me disais bien que t'étais pas con. T'étais pas con. On va poudre de dos. Et ensuite, on va... Qu'est-ce qu'on va faire ensuite, d'ailleurs? En fait, Drattak, faut pas l'envoyer. Parce qu'il envoie Drattak, après il envoie Vasilis, et il commence à se booster, ça devient infâme. Donc faut pas envoyer, faut jamais envoyer Drattak dans ce combat en fait, c'est Drattak que j'aurais dû déposer. Enfin, Nidoqueen non, parce que c'est aussi un free boost, hein, Nidoqueen. Enfin, Laser Glass peut freeze, donc c'est pas forcément, c'est pas autant un free boost que ce... C'est pas autant un free boost qu'il y paraît. En revanche, Camerupt est pas dégueu, parce qu'il est hypnose. Donc j'accélère, je me soigne surtout. Hyper potion, on va se passer. On va utiliser une potion max, j'en ai une, voilà. On va la claquer. En plus, ça va libérer une place dans le sac, même si ça sert plus à rien, parce que le let's play on l'a fini. Mais bon, ça libère une place dans le sac. Voilà. Alors là, le lance-flamme avec le lance-flamme sous zénith. Comment te dire que tu ne le tiens pas en fait? Oh là 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 là, on est en train de le axer. On est en train de le axe méchant. Bim. Ok. Galekin. Alors toi, j'ai presque envie de t'endormir, mais... Ouais, je vais t'endormir, tiens. Allez. Alors j'ai bien compris pourquoi lance-soleil ne se... C'est lance-soleil. J'ai bien compris pourquoi lance-soleil ne se... ne fonctionne pas quand... Quand il y a la sun hein, dans ce jeu. Je vous avoue que ça c'est un truc que je ne comprends pas. En fait c'est Isma. Ça doit être de HKO je pense, comme c'est du x4, faut pas déconner, et c'est stabé. Ouais voilà. Je doutais. Après, il reste le Vasilis, hein, donc le combat n'est pas gagné, hein, je vous le dis. Ça peut très très vite mal tourner. Ça peut vite tourner à l'arnaque, comme on dit. Ok, séisme.
Ok, bon. Et enfin, Là, s'il se boost, il va se booster le pouvoir antique, c'est certain. Sauf si la vive griffe s'active, la vive griffe s'active pas. Est-ce qu'il tape un peu moins violemment qu'Armaldo? Je pense que oui, quand même. Ok, bon. Est-ce que ça fait de le 2 HKO ou pas? Ah la vache, ça fait pas le 2 HKO. Dors, yes! Ne mise pas! Ne mise pas, Poumetteur, s'il te plaît. Ne mise pas, voilà, merci. Voilà, non mais c'est pas mon miss en fait. Voilà. Oh yes! On a win, yes. Et Pierre est battu. Niveau 90, tous ces Pokémon, dis donc. Toi, je ne pensais pas que tu avais progressé à ce point. 91 800, ah ouais. En y repensant, j'en ai vu la certitude lors de notre première rencontre à la grotte granite du village Mukara. Nos premières impressions sont souvent la bonne. Et où veux-tu te rendre? Phew! Même moi, je n'aurais pas pu deviner ça. Ok, d'ailleurs, j'ai une question. Je sais pas si vous savez si on peut le réaffronter comme on veut au site Météor ou pas, Pierre. Parce que je vous avoue que le combat, je l'ai fait qu'une seule fois, hein, je sais pas. Je sais pas si on peut le réaffronter, en fait. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, merci à tous pour cet épisode bonus de l'avoir suivi, bien sûr. Il s'arrête ici, si ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça ferait toujours très plaisir. Ainsi que le petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode bonus numéro 2, où on va s'attaquer cette fois-ci à Red, au bon mémorial, les gens. Allez, ciao tout le monde. C'était les Câbles Ouest.